Et alors là, j'ai vu que tu avais fait aussi des petites adjonctions de palettes. Quand est-ce que tu utilises Ouais. des palettes, hein? Bah, j'essaye plein de trucs en fait, hein, quand je veux déclencher des poissons et quand c'est très très compliqué. Là en l'occurrence, c'est très très compliqué. Donc j'essaye un petit peu tout, une petite palette, parce que bah, un poisson qui est posé dans l'herbe, posé dans 20 cm d'herbe, qui est au repos, il va pas forcément avoir tous ses sens qui sont ouverts. Un leurre qui va passer à 10 mètres de lui et 3-4 mètres au-dessus de lui, il y a de fortes chances même pas qu'il l'entende, parce qu'en ce moment il est justement en position en repos. Par contre, ben, on va le déranger avec une petite palette. Moi je mets jamais d'attractant, parce que pour le brocher, les attractants ça sert à rien, c'est pas comme pour les persidés où c'est vraiment vraiment intéressant. La rigueur, ça va permettre au brochet d'ouvrir un peu plus la gueule, mais en tout cas c'est pas ça qui va le déclencher. Par contre, une petite palette vibratoire, que ce soit une Colorado ou alors une petite Willow, ça va créer de la fréquence, ça va créer du bruit, ça va énerver le brochet. Et il suffit qu'il y ait juste un petit truc, un petit stimuli qui rentre dans sa tête, pour que d'un seul coup il passe de totalement endormi au super prédateur qu'on connaît, et ça déclenche l'attaque. Donc ben, voilà, j'essaie de déclencher l'attaque soit par des petites palettes comme ça, ou alors en l'utilisant en dealer avec une petite marque UV bien spécifique. Comme ça, ben, ça voilà, c'est un leurre qui passe inaperçu, et puis d'un seul coup il y a un point UV, donc ça va agresser physiquement le poisson visuellement. Ça peut aussi l'aider à déclencher, donc c'est des petits instruments, c'est des petits trucs en plus qui font bah, que ça va parfaire peut-être la journée qui aurait été difficile. Voilà. De la même manière qu'on équilibre le leurre pour qu'il nage un peu plus à l'horizontale, ou alors qu'on le laisse couler un peu plus à la verticale, c'est les mêmes petits trucs, c'est des petites manies, des petites choses qui peuvent agrémenter et faciliter la vie.